Ladies and gentlemen, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shadow of the Tomb Raider, toujours en compagnie de Soubeka. Donc là voilà, nous avons pris le petit couteau et on a Kukulkan qui est à mon dos maintenant. Enfin, disons sa malédiction. Donc voilà, je dois sortir de cet endroit maudit. De ouf. Oh. Bah, je fais quoi là? Ah, t'es bien caché, Lara. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Comment ça se passe avec la pompe? Tais-toi, s'il te plaît. On dirait que ta cachette, elle a été faite pour elle. C'est pas le moment de jouer, espèce d'abruti. L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Oh waouh! Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Il parle avec qui? Oh là, ils sont trois. Après, ils le regardent pas. Les bouteilles. Ah ouais, faire diversion. Oh, bah oui. Vas-y, va jeter un œil. Oh putain, merde. Oh putain, merde, je fais du bruit. Je me suis trompé de touche. Ah ouais, rien du tout. Attends, je l'ai pas loot. Hello. Attends, comment je me fight? Je sais pas me fight. Je sais pas, je connais pas la touche pour me fight. Mais là, ils vont tous débarquer. Mais non. Putain, mais comment on se fight? Tout à l'heure, je me suis fight, non? Ah, c'est triangle. Mais quel moment c'est triangle pour taper? En plus, elle attrape avec ses pioches là. Je sais pas comment on appelle ça. C'est piolet, je sais pas quoi. Je vais devoir faire vite. Oh putain, ils sont en train de tuer tout le monde. Vas-y, tire avec l'arc à la limite, ils sont de dos. Attends, je vais choper lui. Ouais, ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. C'est con, on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. Tire avec l'arc celui qui est en hauteur, dans la tête. Lui, il est en train de parler de renfort, donc je sais pas si c'est le bon moment de le tuer pendant qu'il est. Ouais, bah t'es pas vraiment discret, alors ok, y'a pas de soucis. Moi non plus. Mais ça passe. Salut! C'est ça qu'on aime, c'est le gameplay comme ça en fait. Allez hop, élimination furtive. Exactement. J'ai loot tout le monde. 1, 2, 1, 2. Il nous faut du renfort, 1, 2. Oh putain, je suis dans la merde. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Eh les gars, moi j'ai juste des piolets et un arc, hein.
Bon, Lara, tu vas rester cachée, ma belle, hein. Tirage, quoi. Ils m'attendent, ils vont venir. Oh! Oh! Belle brochette, ça. Allez, hop. Là. Vous pouvez pas me tuer. Vous pouvez pas me tuer! Je suis en animation, vous pouvez pas me tuer! Oh, j'ai une arme. Je suis mort de rire. Attends, lâche! Mais soigne-toi! Allez, Kalash. Où ça? Wesh, des explosifs. Attendez, je vérifie. Elle a disparu. C'est qui me tire dessus, en fait? Il y avait trois mecs, je les ai butés, les trois. Mister, viens, viens. Allez! Viens, mon minou. Ah. Bah, j'arrive. C'est ce que je me disais, d'ailleurs. Oh. Alors, c'est pas juste. Oh, mais c'est pas possible! Ma mitraillette. Oh! Faut que je bouge de cette zone, par contre. Parce que là, cache-toi! Je vais le surprendre. Ah bah il y en a un peu trop. Pas le premier alors. J'ai perdu. Par contre le deuxième. Salut. En mode 360 mon gars. Et je me soigne tranquille. Grenade. J'avance, hein. Va voir si j'y suis. Bah, attends, il y a quelqu'un qui peut monter. Ouais, je pense que je suis lui et j'y vais. Bon, j'y vais en mode YOLO. Vas-y, go. Coucou. J'espère que c'était les derniers. Alors, qu'est-ce que l'échelle nous dit? Trouver un feu de camp. Point de compétence. Tu parles du feu de camp? Oh, il y a de la mallette, là. Il y a du stuff. Oh, un jerrycan. Transportables peuvent exploser lorsque l'on les tire dessus. Ah bon, bah, c'est plus très utile, je pense. Oh, oh. Voilà, je suis plus pleine. Oh. Bon. Vas-y, tire. Ouais, juste parce que je savais que tu l'aurais fait. Et je l'ai fait. Parce que le jerrycan, je l'aurais fait aussi. Hein. Oh, ouais, je te connais. Même celui-là. Hein. Alors là, il y a une porte. Mais je sais pas si c'est là que je dois aller. Bah oui. Attends, essaye de voir de l'autre côté, il y a quoi. Attends, elle a un gun, tu te fous de ma gueule, Lara? Il sort d'où, ton petit... Oh! Arrêtez,
Tu vas me rendre ça tout de suite? Oui, bonjour docteur. Bah écoute. Bien sûr, sans tout ça. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara. Vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare. Et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Merde. Du tragique de la situation. Oh merde. L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle ne consume. En vrai, si elle n'avait pas récupéré, peut-être qu'il l'aurait pas récupéré. Oh merde! En vrai, il l'aurait récupéré, mais peut-être après avoir pris la boîte, je sais pas. Oh merde! Alors là, Lara, t'as merdé, hein. Ah merde, j'étais censé bouger? J'ai pas compris que j'étais plus en cinématique. Allez, c'est à moi de bouger cette fois-ci. On va aller à droite. C'est la gauche, mais t'inquiète. Oh là là. On va aller au milieu. Puis là, on va aller... Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh là là. Oh, bah, à gauche. Ah, c'est, à droite. Alors, c'est la droite, c'est pas la gauche. Nous qui voulions aller dans l'eau, bah là, on est servi. Bah voilà, je suis passé en dessous. Bah s'il te plaît. Mais allez! Non, Lara, s'il te plaît, tu me fais pas de conneries. Je sais pas c'est quelle touche! Oh là 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 là. Aïe! Il y a plein de morts, hein. On est sous l'eau, ce sont les catacombes. Oh putain. Oh non. Tellement de monde. Il y a de l'air là. J'ai tué tellement de monde. Exit. Alors, je sais pas comment elle va ouvrir la porte. Mais ma gueule, tu peux pas passer par la fenêtre ?
Mais en plus, ça leur est grave pu. Ouais. Sur le cas, je vais mourir. S'il te plaît, Lara, tu casses. Pas avec le bras, avec ton piolet. On va monter sur l'arbre. Oh là là. Ah là. Oh shit. Ok. C'est pour moi ça. Oh bah merde. J'ai paniqué. Voilà. La loupe publicitaire. Mais qui l'a vu qu'il fallait appeler sur carré? Le truc s'est affiché qu'à la fin. Ah, Lucille. Oh, Lucille! Ah. Alors, commence. Ça me fume, c'est à chaque fois la même cinématique. Ouais. Oh, wow, wow, wow. Bah, j'arrivais petit, fallait tenir encore plus, tu vois, fallait aller à la salle, Soubeka, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire. Faut faire les bras, c'est pour dans ce genre de cas. On va rester 2 secondes de plus, mais en vie seulement. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! Toi, atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord. Mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose! La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi! Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Aïe, il dit la vérité là. Les paroles qui blessent. Les larmes coulent. Et j'ai l'impression que le son, il plus petit à petit, il a baissé quoi.
Je trouverai un avion. Bah oui. Bah quoi, t'as foutu la dé là, faut aider, hein. En fait, la cité, elle s'est écroulée et ça a fait une sorte de tsunami, je crois. En fait, c'est toujours ça quand le basement s'écroule.